Boris Yochalny, Visovoni, Micheloy, Romain. Romain. Siegfried Handke, wie befohlen zur Stelle. Seien Sie nicht so formell, Herr Handke. Sie sind ohnehin nicht wegen militärischer Angelegenheiten hier. Einen wunderschönen Rubens haben Sie hier. Kennen Sie es? Ja, natürlich. Bitte setzen Sie sich. Ich nehme an, Herr Handke, dass Sie wissen, wer Ambroise Vollard ist. Besser gesagt, wer er war. Er ist 1939 gestorben und war einer der größten französischen Kunstsammler. Er hat Picasso, Flamingo und Cézanne entdeckt und ihre ersten Ausstellungen organisiert. Sie entschuldigen mich. Einen kleinen Moment. Ja, Sie haben hier einen wunderschönen Veronese. Tja, aus dieser Ausstellung wollte ich vor einigen Jahren einen Renoir kaufen. Aber der Herr Reichsmarschall kam mir leider zuvor. Bitte. Danke. Vielleicht wissen Sie, was nach seinem Tode mit dieser Sammlung geschehen ist. Nein, ich habe keine Ahnung. Na, sehen Sie, Herr Handke, da liegt der Hase im Pfeffer, dass das niemand weiß.
Wir haben alles versucht, um sie zu finden, aber alle Spuren haben sich verloren. Wir haben den Verdacht, dass sie den Juden in die Hände gefallen ist. Herr Handke, Sie werden nach Paris reisen, die Sammlung ausfindig machen und natürlich die besten Stücke davon in den Besitz des Reiches bringen. Aber diese Kunst gilt doch bei uns heute als entartet und ist verboten. Ich habe einige sehr wertvolle Stücke davon im Keller liegen. Augenblicklich brauchen wir diese andere Kunst, die die Moral und das nationale Selbstbewusstsein hebt. Aber nach dem Enzig, da werden wir uns diesen ästhetischen Kunstwerken zuwenden. Es freut mich, das zu hören, Herr Oberst. In dieser Sammlung befindet sich ein Bild, das Herrn Reichsmarschall Göring ganz besonders interessiert. Das sind die Ballerinen in Blau von Edgar Degas. Ich kenne das Bild. Ich habe es 1933 in Paris gesehen. Sehr gut. Herr Handke, für jede weitere Hilfe wenden Sie sich an die Gestapo, an die SS oder an die Wehrmacht. Für diese Aufgabe werden Sie den Rang eines Majors der Wehrmacht übernehmen. Und wenn wir mit dem, was Sie zustande bringen, zufrieden sind, wird das Herr Reichsmarschall sehr zu schätzen wissen. Ich werde mich sehr bemühen, Herr Oberst. Darauf können Sie sich verlassen. Hier ist die persönliche Vollmacht des Herrn Reichsmarschalls von ihm selbst unterschrieben. Viel Glück. Danke. Danke. Obersturmbannführer Herzer. Major Hanke, ich komme im persönlichen Auftrag des Herrn Reichsmarschalls. Bitte. Ich stehe dem Herrn Reichsmarschall und Ihnen zur Verfügung. Bitte, Sir. Danke. Sie sind also hinter dieser Gemäldesammlung, Herr? Ja. Interessant. Und was kann ich für Sie tun? Ich bin am Haus von Vollard vorbeigegangen, aber da ist ja keiner mehr. Aber es gibt einen Mann, der sehr viel weiß. Er war der Majordomus von Vollard, ein gewisser François Yvette. Wenn Sie mir den finden können, werde ich Ihnen sehr dankbar. Finden wir. Bitte. Danke. Und wenn wir diesen François Yvette... François Yvette. Und wenn wir ihn finden, sollen wir ihn mit unseren Methoden vernehmen? Nein, keinesfalls. Der Reichsmarschall hat größte Diskretion angeordnet. Sie wissen ja, wie das Erscheinen Ihrer Leute auf die Menschen hier wirkt. Dass wir sympathisch sind, das wissen wir selber. Suchen Sie mir aus der Kartei François Yvette heraus. Yvette. S.K. François Yvette, appétez-y. Oui, monsieur, c'est moi-même. Un moment. Marie, un officier allemand. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Une information, monsieur. Je vous en prie. Merci. Ma femme est au lit depuis 2 ans. Nous ne sortons pratiquement pas de la maison. Madame,
Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je n'ai jamais fait de politique. Ça doit être une erreur. Monsieur Yvette, je ne suis pas de la Gestapo. Je ne suis pas venu ici à cause de la politique. Cela ne m'intéresse pas. Je suis venu vous demander où est la connexion d'Amboise Vollat. Ce que vous savez sans doute. Tout le monde sait qu'elle n'est pas chez moi. De tout ce qu'il possédait, et il possédait beaucoup, Monsieur Vollat ne m'a rien laissé. Où est donc tout ça? Un peu partout, on pourrait dire. Monsieur Vollat a fait pas mal de dons. Une partie est partie en Amérique. Mais une grande partie a été léguée à un Yougoslave, Erik Shlomovic. Juif? Oui, je le crois. Un voleur et un fumiste. Monsieur Vollard avait un fils et une nombreuse famille. Marie, je t'en prie, ne t'en mêle pas. Ce type-là le faisait chanter, et même pire. Ne t'en mêle pas. Pourquoi pas? Tais-toi, Lenner. Savez-vous où il se trouve maintenant? Il a disparu tout de suite après la mort de Monsieur Vollard. Il est peut-être... Comment vous dire? Vous savez mieux que moi quel est le sort des Juifs aujourd'hui. Comment se fait-il, comme dit votre femme, que Monsieur Vollard, qui a sa famille, a légué une grande partie de son trésor en cette tranchée? Tout commence vers l'année 1935, quand ce jeune homme est arrivé à Paris. Oui, 1935. Je viens voir Monsieur Vollard. Je regrette, mais Monsieur Vollard ne reçoit personne ces jours-ci. Mais monsieur, je fais tout le chemin depuis Belgrade uniquement pour le voir. Je regrette, monsieur. Monsieur, j'ai son invitation signée pour Monsieur Vollard. Tenez. Ah bon? Attendez un moment. Volontiers, mon ami. Merci, monsieur. Attendez un peu. Une cigarette? Cigarette? Non, monsieur. Enlevez-moi ça. Ça n'est que de la merde. Je pense que tu es d'accord. Bien sûr, Ambroise. Non, non. Aujourd'hui, chaque rapin voudrait que je l'expose. Ils pensent tous devenir célèbres.
Que penses-tu, mon vieux? On te connaît. Tu as fait entrer tant d'inconnus dans les musées. Oh, non. Est-ce que je t'ai parlé du cher ami, le conservateur du musée du Luxembourg, quand pour la première fois je lui ai... Mais oui, oui. Quand je lui ai... Non! Je lui ai demandé de prendre un tableau de Cézanne. Il m'a dit, aujourd'hui, Cézanne, demain, Van Gogh. Mon Dieu. C'est pas mal. Pas du tout. J'achète. Comment est-ce que vous essayez de vivre? Vous avez fait vivre? Il dit que vous l'avez invité. Un peintre? Il n'en a pas l'air. Il ne nous cassera pas les pieds. J'ai reçu mon dernier visiteur de Belgrade il y a 30 ans et plus. C'était un roi. Le roi Milan de Serbie. Faites venir. Un homme réservé. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Vous dites que vous avez mon invitation, mais je ne me souviens pas vous avoir rencontré. Vous m'avez écrit il y a 10 ans, en 1925. Intéressant. C'est vraiment moi qui l'ai écrite. Écoute. Cher jeune ami, apprenez... Cultivez-vous, et quand vous serez grand, je serai heureux de vous recevoir si vous venez à Paris. Et ma signature? Seulement, je ne me rappelle plus à quel propos. Enfin, j'ai lu vos livres sur Renoir et Cézanne. Ils m'ont enchanté. C'est ce que je vous ai écrit. Oui, je me souviens. Vous avez dit que vous voudriez faire comme moi quand vous serez grand. Ce qui m'a surtout plu dans votre lettre, c'est que vous ne demandiez rien. Vous êtes grand maintenant. Voyons si vous avez appris quelque chose. Vous peignez peut-être? Non, monsieur. Pour la peinture, je n'ai pas la main. Mais je l'aille, je crois. L'œil. Que disait Renoir à propos de l'œil? Il disait, en voyant la lune, qui était d'une éclatante blancheur, « Regarde, Degas, comme il y a du rouge là-dedans. » Comme c'est bien dit. Voilà une occasion de mettre votre œil à l'épreuve. Si vous étiez marchand de tableaux comme moi, lequel de ces tableaux auriez-vous choisi? Je vous en prie. Oh, merci. Monsieur Vollard, j'aurais choisi celui-ci. Et les autres? Aucun. Et pourquoi précisément celui-ci? Parce qu'il montre une passion contenue. Pardon.
Merci. Parce qu'il montre une passion contenue, comme s'il allait faire explosion. Si plein de fougue. Ça, c'est dans la peinture. C'est très noir qui surgissent pour dominer. Bravo, jeune homme. Bravo. C'est comme s'il avait entendu Renoir. Il disait qu'il avait mis 40 ans à découvrir que la reine des couleurs, c'était le noir. C'est le dernier Rouault. Le reste est immonde. Bravo. Et ce tableau? Monsieur Vollard, c'est l'extraordinaire Bonnard. Je l'aime beaucoup. Bravo. Et si vous avez le sens du commerce, vous serez un très grand marchand de tableaux. N'est-ce pas, mon ami? Je ne sais pas, Amboise. Je crains que le temps de ceux qui savaient découvrir les talents soit passé. Les hommes comme toi appartiennent au Musée. Zut alors. Merci, François. J'ai un vernissage le mois prochain. Je serai heureux de vous y voir. Je suis Pierre Bonnard. Vous voyez, je l'ai découvert, lancé, et voilà qu'il m'envoie déjà au musée. Asseyez-vous, jeune homme. Parlez-moi de vous. Vous parlez assez bien le français. Oui, mais avec un accent. Plus tard, à la grande exposition de Bonnard, Monsieur Vollard a présenté son nouveau secrétaire, Eric Shlomovitch. Il a dit qu'il était devenu son bras droit. Marc Chagall, c'est Le Corbusier, Pierre Bonnard avec Vollard et moi, Shlomovitch avec Matisse, Shlomovitch avec Marc Chagall, Aristide Maillol. Eric, bien dit, Monsieur Vollard. Ce sont les hommes avec lesquels je passe mon temps, même quand ils ne sont pas présents. Peut-être même davantage que quand ils le sont, parce que ce qu'ils font est plus intéressant qu'eux-mêmes. Merci. Et ce fut le début d'une liaison amoureuse entre Shlomovitch et cette fille espagnole. François, nom de Dieu, François. Une pute d'émigrée comme lui... Marie, je t'en prie, laisse-nous tranquille, tais-toi. Mais non! Oh, Marie! Mais dites-moi... Quelle était la réaction de M. Vollard vis-à-vis de cette liaison? Il était, comment vous dire, énigmatique. Un grand homme. Grand homme? Oui, un grand homme. Mais je n'étais pas là pour juger d'un tel génie. Un génie. Oui, oui, un grand génie. Shlomovitch, parlez-moi de Shlomovitch. Il était déjà secrétaire de M. Vollard, quand un jour, il reçut la visite de cette fille, Juana. Ah, Juana. Comme vous le voyez, je suis ponctuelle comme la mort. Je viens chercher les dons pour ce mois-ci. Ah, j'ai déjà tout préparé pour vous. Ah, je vous présente un nouveau donateur, M. Shlomovitch. Je vais aller chercher vos enveloppes. Ah, c'est vous. Toutes mes félicitations. Tous les peintres parlent de vous. Je m'appelle Juana Martinez. Excusez-moi pour l'autre jour. J'en suis désolé. Si vous êtes peintre, vous me verrez encore nu. Peut-être. Non, non. Je ne suis pas peintre. Mais j'aime l'art. Qu'importe, vous l'aimez?
Et moi, il m'a fait vivre. Pas très bien, d'ailleurs. Pourquoi êtes-vous venu à Paris? Le charme de la France? Non, non, mademoiselle, pas du tout. C'est la peinture qui m'a fait venir ici. Que veut dire la peinture pour vous? Vous qui ne faites pas de peinture, le plaisir de regarder ou la possibilité de faire fortune? Je voudrais bâtir un musée dans mon pays. Le musée de l'Est et de l'Ouest, où l'on exposerait les œuvres de deux mondes. Et à votre avis, les deux mondes, grâce à vous, pourraient se rapprocher? Oui, je le crois. Savez-vous, quelle est l'une des plus belles éditions de Monsieur Vollard? Non. Les fables de La Fontaine qu'il a fait illustrer par un russe, Marc Chagall. Voilà, de la part de M. Vollard, 500 francs. Et moi, 10 francs, comme d'habitude. Merci, Yvette. Et dites merci à M. Vollard. Bien sûr. Je fais la collecte pour le volontaire espagnol. Je compte aussi sur votre aide. Oui. Je vais vous présenter un tailleur, un grec, qui vous sera utile. Allons-y. Bonjour. Oh, bonjour, Monsieur Petropoulos. Je vous présente un de vos voisins des Balkans, de Yougoslavie. De Yougoslavie? Oui. Dobar dan. Kako ste? O, pa vi dobro govorite moj jezik. A pomalo, pomalo. Živeo sam u Skopje, Beograd, Zagreb. Je vois que vous vous entendez bien sans monnaie. Mais je dois vous prévenir, Monsieur Petropoulos, que Monsieur Shlamovich est le nouveau secrétaire de Monsieur Vollard. Oh, c'est vous? Félicitations. Je dois aussi dire à M. Shlamovich ce qui fait la célébrité de M. Petropoulos. Une toile pour un frac, un pastel pour un costume, une aquarelle pour une veste, un dessin pour un pantalon. Ce que disent les mauvaises langues de Paris. M. Shlamovich voudrait voir votre collection et moi votre don pour ce mois-ci. Tout de suite. Gospodine Shlamovich. Bilo bi mi jako drago, ako imate nešto staro, klasika, pa da možeme da menjamo. Ovo moderno slikarstvo, znajete, meni pomalo strano. A šta da se radi? Ne može da šivam odelo na Engre i Delacroix kad oni odavno mrtvi. Merci. Je vous quitte. J'habite l'hôtel idéal. Si vous passez par là, venez me voir. Avec plaisir. Shlomovich a pris une chambre à l'hôtel idéal, au marché Opus, où habitait déjà Juana. Une liaison durable s'est établie entre eux. Et M. Vollard, il voulait savoir pourquoi ils habitaient dans un trou pareil. Et il m'a envoyé sur place. Madame, Monsieur Shlomovich, s'il vous plaît. Chambre 6. Merci. Monsieur. 300 francs pour cette vierie. Les couleurs sont de très claires. Et puis, le tableau est si petit. Voilà, ouvre. Alors, 300 francs, toujours le même prix. Bonjour, monsieur. Oh, Miss Yvette, excusez-moi. Combien demandez-vous? Dernier prix. 300 francs. 300 francs. 300 francs et n'en parlons plus. Oui, jeune homme. Non, non, madame. 300 francs. Fragonneur, un vrai fragonneur. Mon dernier prix est
150. Oh, mais ça ne va pas, jeune homme. C'est le prix du cadre. Jamais de la vie. Eric, Eric, tu donnes pour ça 150 francs. Ne le fais pas, je t'en prie. Eh bien, 250. Mais non, pas question. Je vous offre 200 francs. Eh bien, d'accord, prenez-le. Et que le diable vous emporte. 200 francs. Au revoir. Madame, tenez, pour vous, 20 francs. Merci. Mais ces tableaux, ça bien à vous? Oh, mais dites donc, vous me prenez pour une voleuse? Ah, ça, c'est un peu fort. Oh, non, non, quelle madame, audace. Non, non, c'était un plaisir de vous voir. Voilà. Ouh, tu as passé ton examen. Mon Dieu. Fragonard. Monsieur Yvette, un vrai fragonard. Monsieur Shlomovitch, vous m'étonnez. Ce que vous faites n'est pas digne de vous. Et ne parlons pas de l'endroit où vous habitez. Monsieur Vollard ne sera pas content. Il va se fâcher. J'habite ici parce qu'il m'est plus facile de trouver des tableaux qu'aux grandes ventes aux enchères. Regardez. Tout cela, je l'ai eu pour peu d'argent. Mérite que ça. Gauguin. Outrilla. Picasso. Hey, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Ne me dites pas que vous avez trouvé tout ça au puce. Bien sûr que non. Mais les puces, ils sont pour quelque chose. L'important est que vous mettiez ce trésor à l'abri. Imaginez si la racaille de cet hôtel apprenait ce qui s'y trouve. Oui, oui, oui. C'est Gauguin, on voit de l'or. J'en ferai cadeau à Monsieur Vollard. Faire cadeau? Quelle idée! Les cadeaux entre collectionneurs, ça n'existe pas. Faites plutôt un échange. Voilà. Qu'il me donne de bonheur de la dernière exposition, même si cela ne suffit pas. Il pourrait ajouter la baigneuse de Renoir. Un diable! Un vrai diable! Maintenant, un verre. Merci. Vive Fragonard! À votre santé, Juana. À votre santé. Il savait que la fin était proche. Que tout était définitivement fini. Ce jour-là, il m'a dit... Yvette, sortir dans la rue n'est plus pour moi. Je hais ce bruit, cette cacophonie de sons. Où est le silence de la nature, l'excursion argenteuil de Manet? C'est l'heure, monsieur. Oh. Prenez au moins cette pilule. Merci. Mais donnez-moi du vin. Bien, monsieur. Eric, Yvette ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure perte de temps. En étions-nous? Comme vous avez été congédié. Hein? Congédié, oui. J'étais jeune. Et j'avais proposé sincèrement à mon chef, le marchand de tableaux Dumas, de présenter quelques tableaux de Benoît, Degas, Cézanne et autres impressionnistes. Le lendemain, il m'a congédié. Je me souviens, il m'a dit, écoutez, mon cher Vollard, nous nous quittons bons amis, n'est-ce pas? Quand vous parlerez d'impressionnisme, je compte sur votre loyauté pour dire que je déteste ça. Je lui ai répondu, non seulement je prends l'engagement de le dire, mais si l'occasion s'en présente,
je l'écrirai. Je tiens ma parole, Eric. Et maintenant, je sens que l'époque me dépasse. Mais monsieur Bollard, malgré tout, peut-être restera marqué dans l'histoire. Mais comme témoignage d'une espèce qui a disparu. Eric, en toi j'ai reconnu la passion de ma propre jeunesse. C'est l'heure de vos médicaments, monsieur. Merci, cher Yvette. Merci, monsieur. Vous êtes libre ce soir. Encore merci, monsieur. Eric, ne me quitte pas. Reste près de moi cette nuit. D'accord. Je dois passer un coup de fil d'abord. À Juana. Non, Eric. Monsieur, il est l'heure. L'art n'est jamais fini. Donnez un morceau de fer à Gauguin, il en fera un bijou. Et tu étais le premier à le voir. Il fallait de l'audace pour faire une exposition de Cézanne en 1885. En ignorant le mépris, les moqueries des puissants de l'art, même Zola, l'ami de Cézanne, ne croyait pas en son art. Mesdames et messieurs, il était le plus grand collectionneur de tableaux de France. Le dernier enthousiaste du métier. Avec lui meurt toute une époque. L'époque des audaces en art. En un mot, mes amis, avec lui meurt une partie de nous-mêmes. Et alors, monsieur, tout le monde a voulu savoir. Et le testament ? Et M. Bonnard a lu le testament. Et pourtant, ça ne se fait pas d'habitude. Selon le désir du défunt, nous allons lire son testament. Tous mes biens immobiliers, je les lègue à ma famille. Une partie de ma collection, à laquelle j'ai consacré ma vie, je la lègue à mon collaborateur et ami, Eric Slomovitch. Ce sont mes dernières volontés. Ambroise Bollard. Quelle honte! Un aventurier. C'est scandaleux. C'est vraiment étrange. Vous savez ce que je fais. Eric, oublie ce que tu viens d'entendre. Es-tu conscient de ce que tu es devenu ces derniers jours? Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Mm-hmm. Et Juana? Je suppose qu'elle est partie avec lui. Et où ailleurs? Le voleur et la pute?
belle association. Je t'en prie, Marie, dors, dors. Vous ne savez vraiment pas où ils sont. Je n'ai aucune raison de vous mentir, monsieur. Qui peut le savoir? Je ne sais pas, monsieur. Chagall est en Amérique. Matisse et Le Corbusier n'en savent pas plus que moi. Je regrette. Bon, merci pour cette information intéressante. Madame. Monsieur. Bonjour. Monsieur? Monsieur Petropoulos? Oui. J'ai besoin de quelques informations. Mais je ne vois pas encore. Je peux vous aider, mon commandant. Je suis en trajet ici. Je ne me mêle de rien. Je ne sors pas. Setzen-Sie sich. Monsieur Petropoulos, Eric Slomovitch, venez souvent ici pour échanger des tableaux, n'est-ce pas? Oui, mais vous le recherchez en vain. Il est parti avant la capitulation avec 8 grands coffres pleins de tableaux. Savez-vous où? Probablement en Amérique. Tous les Juifs y ont fui quand la guerre a commencé. Est-ce qu'une fille venait avec lui? Mais oui, bien sûr. Je m'en souviens très bien. La voilà sur cette photo. Les danseuses en bleu étaient quand? J'ai pris cette photo au cours d'un échange de tableau. Est-ce que la fille est partie avec Slomovitch? Non, non. Après son départ, elle m'a vendu un flamenco. Vous, avec Matisse, hein? Si, si. Reprenez votre place. Et maintenant, où est-elle? Mais vous devriez le savoir mieux que moi, parce que votre police l'a arrêtée dès votre arrivée. On parle de la même personne. Elle s'appelle Juana Martinez. Je la connais sous le nom... Agnès Duval. Agnès Duval. Je la prends. Merci. Oubliez que vous m'avez vu. Diese Agnès Duval ist irgendein Malermodell. Wir haben Sie eingesperrt, weil wir bei Ihrem Material der Widerstandsbewegung gefunden haben. Wir haben Sie vernommen, ich übrigens auch. Entweder ist sie ein ausgekochtes Luder oder sie weiß tatsächlich nichts. Nein, nein, das hat hier keinen Sinn. Lassen Sie sie frei. Ich werde zu ihr als Privatmann gehen. Dann wird sie sicher etwas sagen.
Où est-elle? Quelle chambre? Chambre 12, monsieur. Madame. Bonjour. Je peux monter? Oh, oui, oui. Merci. Mademoiselle Juana Martinez? Non, monsieur. Vous vous trompez. Je suis le cousin d'Eric. Eric? Je ne connais pas d'Eric. Je m'appelle Agnès Duval. Et à ceux qui vous ont envoyé, vous pouvez dire que j'ai dit tout ce que je savais. Mademoiselle, je suis Isaac Mandelstein, le cousin d'Eric. Je cherche Eric. La dernière fois, il m'a demandé de lui vendre ce tableau. J'ai refusé. Et maintenant? Oh, 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 oh. Quel malheur. Un bon art. Peut-être le meilleur. Vous voyez la couleur, la composition. Fantastique, fantastique. Eric doit l'avoir. Où est Eric? Mais Eric a quitté Paris depuis longtemps. Depuis longtemps. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle époque. J'ai une photo de vous deux. Il a oublié une fois, c'est moi. Gospodine Petropoulos, imam nešto što će vas sigurno interesovati. Ali, trois cafés, s'il vous plaît. Monsieur Petropoulos. Riepin. Riepin? Oui. Šta mi možete ponuditi za Fragonara? Imam roba koja će vama da se svidi. Evo. Evo, gledaj, gledaj, bratko. Gledaj. Mm-hmm. Majol. Njega menjao. Dva kaputa, mm-hmm. Jedne pantalone. Još jedan majol. Oui, oui. Et nouveau. Renoir. Renoir. Mm-hmm. In esquisse, mais excellent. Matisse. Dobro, uzijem Renoira, Chagala i ostalo. Pristajem. A šta mi možete ponuditi za Riepina? Evo, mogu vam ponuditi jedan modern kaput. Angleski tweed. Sekretar na monsieur Volar mora biti dandy obučen. Invest. Nemojte me zasmijavati, gospodine Petropoulos. Sva, sva. Evo, dodajem ušte i pantaloni. Pravi, kvalitetni, iz Italije flanel. Ne dolazi u obzir. Merci. Gospodine Petropoulos, mene zanimaju samo slike. Izaberite, gospodine Šlomović. La
Не знам. Може да ова. Ако ми додате уште 10.000 франци. У реду. C'était qui? Laisse tomber, je ne voudrais pas t'inquiéter. Donne-moi à boire. Merci. Je t'aime beaucoup. Donne-moi le tableau de Degas. Degas? Pourquoi? Pour le vendre. J'ai besoin d'urgence de 200 000 francs. Le vendre? Jamais. Je dois avoir cet argent. Je ne peux pas tout expliquer. Mais si demain je ne l'ai pas, un groupe de réfugiés espagnols sera ramené à Barcelone. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente pour mes compatriotes? Juana, si je vais autant de liquide, je te le donnerai tout de suite. Mais le tableau, je ne peux pas, je ne peux pas. Le tableau est plus important que moi, que tant de vie humaine. Et tu me parles d'amour. Et que voudrais-tu? Que je brise mon propre rêve. Mon rêve devient réalité. Tu comprends? Réalité. Le tableau, non! Je ne peux pas donner le tableau. Le musée est déjà une réalité, tu comprends? Il ne me faut plus rien de toi. Je m'en sortirai comme je le peux. Merci. Ce que j'ai entendu me suffit, hijo de merde. Je te laisse à ton rêve et je te souhaite que tu continues à rêver, mais sans moi. Dan, gospodine Erik. Gospodine Petropoulos, hitno mi treba 200.000 franaka. Za njih vam mogu ponuditi ovaj prsten i ovaj zlatni sat. Prsten je moje majke, dijamant. Znači, ako sam dobro razumeo, vi tražite pare, a ne slike? Da. Kirje Ivon, za ovo bi mogli da dobijete nekoliko slika. Trebaju mi franci. U redu. Evo. Izvolite. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Gospodine Erik, moment. Šta kažete, a? Kakav bonar. 200.000 franci. Odlično je. Eto, bratko, za vas samo 150. Pogledaj kakva lepota. Platite, nosite. Još vam ostane 50.000 franci. Ne, pa. Ovakva prilika teško da mi se pak ukaže.
prendre quelque chose. Après, c'est après. Viva España. Merci. Tu as fait une bonne chose. Après la pluie, le beau Ouvrez la radio, ouvrez la radio. Monsieur François, écoutez les nouvelles. Française, Français, ce matin à 4 heures, les troupes ennemies ont envahi la France en franchissant la frontière du Nord. Citoyens, dans cette bataille Eric, finale... nous devons partir tout de suite. Impossible. Courage et de votre détermination. Pas encore, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'elle te faut encore, Eric? Tu as la meilleure partie de la collection Vollard. Mais on m'a promis quelques tableaux de Matisse et de Bonnard. Mais Eric, la guerre à la porte. La guerre ne nous concerne pas. Nous avons notre monde à nous. Ceci. Descends sur terre, Eric. Les tableaux ne te protégeront pas des fusils. Mais protéger, pourquoi me protéger? Je n'ai rien fait à personne. J'aime l'art. Je ne fais pas de politique. Tu oublies ce qu'ils font aux Juifs. Ils ont quelque chose contre les Juifs allemands. Ils n'ont aucune raison de toucher les autres. Si tu ne penses pas à toi, pense à moi. Tu as raison. Nous partons demain. Française, française, ce matin à 4 heures, les troupes ennemies ont envahi la France en France. Dans ces caisses, des tableaux. Vous avez les certificats de douane? Oui, j'ai aussi les certificats de propriété. Voilà. C'est bon là? C'est bon, c'est bon. Les passeports, s'il vous plaît.
Merci. Mademoiselle, oui? Votre passeport n'est plus valable. Mais pourquoi? Parce qu'il est de la République espagnole. Mais je suis réfugié en France, avec mon permis de séjour. Pour traverser la frontière, il vous faut un laissez-passer du nouveau gouvernement. Mais je suis réfugié, avec le droit d'asile politique. Je suis désolé, madame. Mais je ne suis plus citoyenne espagnole. Vous n'êtes pas une Française non plus. Mais vous ne pouvez pas passer, c'est tout, allez, allez. Mademoiselle, viens avec moi en Yougoslavie. Que dois-je faire? Ce n'est pas mon problème, monsieur. Allez avancer le camion, il y a plein du monde, vous ne voyez pas. Allez. Et alors? Si l'on est ainsi, je ne pars pas non plus. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois partir, seul. Je n'irai nulle part sans toi. Mais tu sais très bien ce qui t'attend ici. Eric, je t'en prie. Je connais les gens à Lyon qui font passer la frontière illégalement pour de l'argent. Phare, je te rejoindrai plus tard. Alors, partons ensemble à Lyon, allons-y. Le camion? Ils ne peuvent pas faire passer le camion. Tu me tiendras à Genève. Et dans 2 jours, je serai auprès de toi. Ça va? D'accord. Cet argent, c'est Vlaming, tu en auras besoin pour les gens de Lyon. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Monsieur, vous faites des embouteillages ici, le monde ne va pas passer. Allez, mademoiselle, j'ai bien dit. Vous ne pouvez pas passer, c'est pas de ma faute. Allez, allez. Avancez là, allez! Les gens de Lyon, je les ai inventés pour la convaincre de fuir. 2 jours plus tard, la France a capitulé. Et lui ne pouvait plus revenir. Je ne sais pas. Il a peut-être essayé. Je le connais, il a essayé. Ah, cette guerre, cette guerre. Ah! C'est la cousine d'Eric. Tu dois quitter l'hôtel immédiatement, tu es sous surveillance. Prépare tes affaires, on s'en va. J'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions. Bien sûr, mademoiselle, bien sûr. Je dois vous enfermer à clé. Monsieur? Thank you.
Hanke. Alles, was Sie mich hier aufgetischt haben, sind ganz gewöhnliche dilettantische Geschichten. Gut. Sie werden nach Begger fahren, aber diesmal möchte ich Resultate haben. Sie können gehen. Direktor? Ja? Major Hanke. Ich habe Ihre Nachrichten bekommen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie haben ein schönes Museum. Das ist das Verdienst von Prinz Paul Karadjordjevich. Das Museum trug vor dem Krieg auch seinen Namen. Lassen Sie uns für ein paar Minuten allein. Sagen Sie, wie kommt es eigentlich, dass Sie auf Ihrem Posten geblieben sind? Viele Ihrer Landsleute verlassen ihre Posten, weil sie nicht bereit waren, unter den Deutschen zu dienen. Ich diene niemandem, mein Herr. Die Politik hat mich nie interessiert. Ich habe nur jedes Gesetz geachtet. Gut. Kommen wir zur Sache. Ich habe gehört, dass Sie Erik Slomovic gut gekannt haben. Ja, relativ gut. Zum ersten Mal habe ich ihn getroffen, als er aus Paris zurückkam. Er hat damals dem Museum ein sehr wertvolles Buch herausgegeben, von Ambroise Vollard, zum Geschenk gemacht. Das gefällt mir. Wunderbar. Ich brauche von Ihnen eine genaue Information. Hat Slomovic, als er nach Belgrad zurückkam, die Vollard-Sammlung bei sich gehabt? Er hat sich bei mir brieflich aus der Schweiz gemeldet und mich gebeten, ihm eine Ausstellung zu organisieren. Ich bin zum Bahnhof gegangen, um ihn zu empfangen. Gospodine Šlomović, čast mi je. Ja sam upravnik muzeja. Došao sam da vam poželim dobrodošlicu. Drago mi je, gospodine. Znači, ima nade za moju izložbu? Svakako da ima. Verujem da će to biti prvorazredni kulturni događaj. Očekujem vašu posetu. Gospođo. Mama, ovo što sam doneo, to Beograd još nije video. Imam ideju da sagradim muzej. Muzej istoka i zapada. A projekt za muzej izradio mi je sam Le Corbusier. Pa, mogao bi i tatu pozdraviti. A imaš i brata. Egon. Stani, stani! Za Boga miloga, stanite malo! Pazite! Egon!
Ali, gospodine upravniče, evo, dolazim već peti put uzalud. Hoću samo da znam kakav je rezultat. Odgovorne osobe u vladi misle kako sada nije baš najpogodniji trenutak. Politička situacija, odnosi sa Nemačkom. Smatraju da bi bilo malo nezgodno kako bi se u Berlinu moglo shvatiti da se ovde i suviše paradira s vašim imenom. Vi biste to morali razumeti. Šta bi ja to morao razumeti? Da sam Židov? Znači ništa od izložbe. Za sada ne. Možda kasnije. Prokleću dan kada sam ovde došao. Odavde je najbolje zauvek pobeći, gde god bilo. Što dalje od mediokriteta? Gospodine Šlomoviću, ja razumem vaš gnev. Ali merite malo reči. Da meri. Da znate, za Ina ću napraviti izložbu u Zagrebu. Ovo nije muzej umetnosti. Ovo je postala filijala vlade koja kolaborira s Nemcima. Žalosno. Gospodine Šlomoviću! Gospodine Šlomoviću! Unser wurde am 24. November 1940 die Ausstellung im Zagreber Haus der bildenden Künste eröffnet. Als die Regierung durch den Militärputsch gestürzt wurde und der Dreierpakt gelöst war, habe ich Šlomovića in sein Haus aufgesucht. Ich wollte ihm den Vorschlag machen, die Ausstellung sofort zu organisieren. Ich versuchte ihn über den Schreiner Reitsch. Dieser Schreiner macht für Museum die Rahmen. Aber ich habe Šlomovića nicht mehr angetroffen. Ist das die Mutter von Šlomovića? Ja, das ist die Mutter. Die Mutter vor den Ballerinen in Blau. Ja, mein Herr. Und Sie haben sich nicht mehr erkundigt, wo er sein könnte? Nein. Der Krieg hatte bereits begonnen. Ich habe angenommen, dass er sich irgendwo außerhalb Belgrad in Sicherheit gebracht und die Sammlung mit sich genommen hat. Haben Sie noch den Brief, den Ihnen Šlomovića aus der Schweiz geschrieben hat? Ja, den habe ich. Bitte hier. Gut gemacht. Nikola Reitsch. Gut. Mein Name ist Johann Schulz, Herr Major. Wer hat Sie denn so angezogen? Ich, Herr Major. Und Sie sprechen wirklich diese Sprache? Ja, wie meine Muttersprache. Ich bin in Banat geboren. Aha. Sie kennen Ihren Auftrag? Jawohl, Herr Major. Da ist noch etwas. Die Mutter von Šlomovića heißt Rosa. Sie ist mit ihm aus Belgrad geflohen. Der Vater Bernhard und der Bruder Egon sind geblieben. Sie wurden dann später als Geiseln festgenommen und erschossen. Das nur zu Ihrer Information. Alles klar, Herr Major. Kommt. Ti Nikola Rajić, stolar? Ne, ja sam kazandžija. Kako bre kazandžija kad vidim drvetom radiš? E pa kad vidiš, što onda pitaš? Dođe vam. Šalje me gosin Erik. Koji gosin Erik? Kako koji? Erik Šlomović. Ne poznajem ja nikakvog Erika Šlomovića.
Ma što se bre praviš to, Oša Šlomović je tu stanovao. Čovjek ti lepo šalje sir i slaninu, a ti kao ne znaš ko je on. Ma kome ja govorim? Tebi ili onom drvetu? Pa lepo sam ti rekao da ne znam. Slušaj, prijatelju, jebe se meni i za tebe i za njega. Evo, šalje ti ovo. A evo ti njegovo pismo. I nosi ti svoj bojica u... Prijatelj, vrati se čas. Nemam ja vremena, žuri mi se, neću da me noć uhvati u gradu. Major, nicht. Kein Brief am Slomovic. Schauen Sie noch einmal nach, ob nicht ein Brief dabei ist. Mit einer doppelten Adresse. Ja, da ist einer. An Duschens Passage für einen Johann. Machen Sie ihn auf. Das ist es, Herr Major. Er dankt für den Speck und den Käse. Sobald ich sie beschaffen kann, sende ich dir die Medikamente für die Mutter. Jetzt haben wir die Adresse, Herr Major. Geben Sie her. Wohin geht dieser Brief? Nach Batschina. Batschina. Slušajte, ljudi, gospodin major i ja vrlo dobro znamo da se Erik Šlomović krio ovdje kod vas u Bačini. Znamo, Spasiću, da je pribao poštu na tvoju adresu. Gospodin major vas lepo moli da mu s mesta ovdje dovedete Erika Šlomovića. Slušaj, Spasiću, gospodin major traži samo to da mu kažeš gdje je Erik Šlomović. On ti garantuje da ćeš posle toga biti s mesta pušten. Pa vi to, gospodine, znate bolje nego ja. Vaši su ga ljudi uhapsili i oterali. Naši ljudi. Jeste. Spasi sagt, unsere Leute haben Šlomović verhaftet. Vrag sie van das war. A kad je to bilo? Gospodine, negde krajem septembra. Ende september. Fragen Sie, wo die Mutter von Slomovic ist. A sad mi lepo recite, gde je Šlomovićeva majka? Gde je Šlomovićeva majka? Slušaj, Spasiću, ti i ova trojica
bit ćete odvedeni u banjicu ako s mesta ovdje ne stvorite Rozu Šlomović. Gospod Rozo, odvešće mi muža. Gde je Šlomovićeva majka? Ih bine Roza Šlomović. Kommen Sie bitte mit mir. Bitte, Madame. Schulz, lassen Sie die Leute nach Hause gehen. Heute wie gut. Heute Marsch. Heute Marsch. Wo wollen wir uns denn setzen? Vielleicht hier. Bitte, nehmen Sie Platz. Frau Slomovic, ich habe erfahren, dass man Ihren Sohn verhaftet hat. Bitte sagen Sie mir ganz genau, wann und wie sich das zugetragen hat. Es war am 22. September dieses Jahres, am Freitagmorgen. Sprechen Sie Deutsch? Govorite Deutsch? Ja, gospodine. Ja, seljak. Ima bačina govoriti Deutsch? Ima tamo. Tamo u onoj kući. Gut, gut. Govoriti Deutsch? Ja, ništa Deutsch, nix, nix. Halt, halt! Erik! Warum laufen Sie weg? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche. Gott sei Dank, endlich einer, der Deutsch spricht. Sagen Sie mir bitte, wo endet ja diese Landstraße? Sie ist nicht auf der Karte, aber dort führt sie weiter zum Juchergebirge. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Wo haben Sie es gelernt? In der Schule. Und was soll dieser Modell darstellen? Wissen Sie, das ist schwer zu erklären. Ich sehe. Sie arbeiten nach einer Skizze. Aber warum fällt es Ihnen schwer, mir das zu erklären? Glauben Sie, dass ich blöd bin? Nein, aber es ist nicht leicht. Das ist nur eine Vision. Aber das würden Sie kaum interessieren. Sie verbringen den Krieg ja herrlich. Wir halten unseren Kopf hin und Sie haben Ihre Visionen. Sind Sie nicht zufällig Jude? Das können wir ja leicht feststellen. Verschwinden Sie! Stellen Sie sich laut hin und lassen Sie die Hosen runter. Aufhalten!
Was ist das? Was für eine Vision ist das? Sicher, wo diese Sammlung ist. Ja, ich weiß es. Sehen Sie, ich bin Kunstliebhaber, genau wie Ihr Sohn. Diese Sammlung hat einen unermesslichen Wert. Sie darf nicht verloren gehen. Bitte sagen Sie mir, wo diese Sammlung ist. Von mir werden Sie nichts erfahren. Ich hänge nicht mehr am Leben. Bringen Sie mir meinen Sohn lebend zurück. Und ich sage Ihnen, wo diese Sammlung ist. Kann ich gehen? Tja, natürlich. Zum Wagen! Es gibt ja leider keine Stelle, in der alle deportierten Juden nach Namen, Geburtsdatum und Länder zusammengefasst sind. Wir wissen ja nicht einmal, wie viele Männer, Frauen und Kinder es sind. Wir müssen alle Lager systematisch durchsuchen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit, Slomovic zu finden. Und ich muss ihn finden. Hanke, hören Sie doch auf mit dieser Geschichte. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir jetzt viel Wichtigeres zu tun haben. Wir müssen etwas unternehmen. Es handelt sich um unermessliche Werte. Aber um Himmels Willen, Hanke. Sie wissen doch, dass die Russen zu unseren Grenzen zudringen und dass die Amerikaner und Engländer in Normandie gelandet sind. Und Sie kommen mir mit dieser Geschichte, mit dieser Sammlung. Das heißt also, dass mein Auftrag beendet ist. So ist es. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Major Hunter.
Ich brauche sofort eine Maschine nach Belgrad. Tut mir leid, Sonderflüge genehmigt nur Oberstleutnants. Ich stehe unter dem persönlichen Befehl des Herrn Reichsmarschalls. Oberstleutnants ist über alles informiert. In Ordnung. Ich habe eine freie Maschine. Kommen Sie zum Flughafen. Der Wetterbericht ist günstig. Sie können sofort starten. Danke. Hallo? Hauptmann Koch. Bestätigen Sie bitte den von Ihnen angeordneten Sonderflug nach Belgrad. Aber was für ein Flug denn? Ich fliege nicht nach Belgrad. Ich wüsste nicht, wer dahin fliegen sollte. Was sagen Sie? Major Handke? Mann, gerade eben. Einen Moment. Bleiben Sie im Apparat, ja? Herr Reichsmarschall, darf ich Sie einen Augenblick stören? Die Gestapo in Belgrad soll Hanke einfangen, aber knallhart. Jawohl, Herr Reichsmarschall. Papa Koch, die Maschine mit Major Handke kann nach Belgrad fliegen. Verstehe. Oberst Leibniz, ja? Verbinden Sie mich sofort mit dem Chef der Gestapo in Belgrad. Ja? Hören Sie gut zu, Schulz. Die Lage ist viel schlimmer, als die es in Berlin zugeben. Deutschland steht vor dem Zusammenbruch. Der Krieg ist bald beendet. Wirklich? Ja. Das Einzige, was mich noch interessiert, ist diese Sammlung von Slomovic. Wir werden zusammen noch einmal in dieses Dorf fahren, wo die Mutter wohnt. Denn ich bin überzeugt davon, dass die Sammlung dort versteckt ist. Aber Sie bringen der Mutter Ihren Sohn nicht zurück. Tja, ich habe alles versucht. Was soll ich machen? Das Einzige, was ich habe, ist dieser Brief. Vielleicht steigt sie darauf ein. Das ist unmöglich, Herr Major. Wir müssen etwas unternehmen. Schulz, Sie werden nach dem Krieg ein reicher Mann sein. Das Risiko lohnt sich. Glauben Sie mir. Ihren Passierscheine. Bitte sehr. Kommen Sie heraus. Sie sind also Major Hanke. Ja, das bin ich. Sie, stellen Sie sich dahin. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Major. Wann haben Sie Belgrad verlassen?
Ich bin im persönlichen Auftrag des Herrn Reichsmarschalls unterwegs. Lesen Sie. Ich kann nicht lesen. Ich bitte Sie um Respekt. Nehmen Sie Haltung an, wenn Sie mit mir reden. Herr Major, Sie sind verhaftet. Dafür werden Sie sich zu verantworten haben. Was haben Sie gesagt? Zu verantworten? Ja! Du Verbrecher! Pogledaj, mama, ovu usamljenu topolu i ovaj pejzaž uzdržanog kolorita. Kao na slikama Pisaroa, one njegove topole i... A ova naša bačinska kafana, kao da je Utrilo baš sa ovog mesta slikao svoju seosku krčmu. Ajde, gospa Roza, da i mi popijemo po jedno. Za vaš srećan put i brzi Jerihov povratak. Živjela! Onda, gospa Rozo, srećan put. I nemojte da zamerite. Hvala vam na svemu. I znaš, mama, ako se meni nešto, šta znaš, desi? Treba da daš kolekciju ljudima koji će ostvariti ono što ja želim.